place of red and red. Set on a surfboard at a sea. Yeah, lingering in the ocean blue. And if I had one wish come true, I'd surf till the sun sets beyond the horizon. Ah, wiki wiki, my lordy lordy, now we might go by Flanalu. Flying by on a Hawaiian roller coaster ride. Ça tourne? Hein? Ça tourne? Ouais, ça tourne. Bonjour les arcs-en-ciel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo à Plopsaland en Belgique, à La Panne. Mais qui est à La Panne en Belgique, en gros. Bon, aujourd'hui, nous serons accompagnés de Tonton Max. Bonjour à tous. Nanou. Moi. Coucou. Et Papou. Coucou. Malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas de chance. Il pleut. Ouais, on n'a pas. Oui, voilà, il pleut. Donc du coup ici on regarde un peu ce qui est ouvert en attraction. Apparemment les attractions qui sont à l'intérieur sont fermées. Donc on va essayer de trouver par quoi on va commencer. Bienvenue à Wikiland. Là où il y a un peu plus de sensations les amis. Ouais. Oh, les amis, là on part pour la grande vague. On va voir ce que ça donne, on va essayer de filmer à l'intérieur. Mais c'est pas sûr les amis, je suis avec Tonton Mike. Ça y est. On est dans le Viking, en plus en pleine saison Viking, ça tombe bien. Il a un peu peur, on dirait, mais bon, on va essayer. Non, j'ai pas peur. Ah ben non, il a pas peur. Mais on dirait quand même. C'est parti, les amis. Oh putain, j'aime pas. Moi, j'aime pas en arrière, ça me fait vomir. J'ai trop peur. Ah, j'ai trop peur. Ouais. J'ai trop peur. Sérieux? Vous avez entendu, il a trop peur, j'ai les paroles enregistrées, j'ai trop peur, mais en vrai ça fait dégueuler, putain. Tiens, je vais vomir. Faut pas que je vomisse dans mon masque. Oh, oh. Moi aussi, je le mets dans ma poche. Oh, je suis trop vieux pour faire ça. Mon vieux. Ça y est, ça se termine. Je suis mort. Ah. Tu vois tout le monde. Impression. On va donner nos impressions quand on est sorti. Impression. Qu'est-ce que ça t'a fait? Génial. Ouais, moi aussi j'ai trouvé ça génial, même si sans rien manger, j'avais quand même envie de... Hein, de remettre. De remettre, voilà, pour être poli. Sinon c'était une attraction plutôt cool. Ça a encore été assez rapide. Il y a quand même... Rapide. Avec deux T. Donc voilà, maintenant c'est parti pour la suite des aventures. A tout de suite les amis. Bisous bisous. On a vraiment pas de chance aujourd'hui, faut le dire. Non, aujourd'hui ça me saoule. Yeah. C'est un peu comme quand on a été à Paradise Halloween. Ouais, ben on a l'impression de vivre le même instant. C'est le même état d'esprit. Les mêmes moments. J'ai envie de déprimer. Donc, il fait dégueulasse. Les gens sont casse bonbons. Et je sais pas. Là on a la dalle. Là-bas, je pense. Là-bas. Peut-être qu'une fois qu'on aura mangé, ça va passer, non? Ouais, peut-être. Nous allons devenir super dingues. Ah, Nanou, qu'est-ce que tu penses de ta matinée? C'est une dinguerie. Qu'est-ce que tu penses, mon chat? La vie qui coule. C'est la dinguerie ou bof? J'en ai marre qu'il pleut. Tout ce que je veux que ça s'arrête, je veux que ça s'arrête qu'il pleut. Bon, du coup, tout le monde a envie qu'il s'arrête de pleuvoir. On a su grappiller une table. Parce que les gens sont des vautours, ils étaient tous l'un sur l'autre. Mais là, on a trouvé une table, une demi-table. Parce que de ce côté-là, c'est trempé. Alors qu'est-ce qu'on mange? Mamie Evin nous avait fait des pâtes équilibrées. Première fois qu'on mange équilibré dans un parc d'attractions, les amis. Par contre, regardez, Nanou, ça n'a pas changé. Qu'est-ce que tu manges, mon chat?
Hein? Des nuggets et des frites. T'as froid? Après, on va laisser chauffer avec une attraction. C'est de la feta. C'est de la mozzarella. Voilà. Ça te sent bon? Ouais. Elle hésite, mamie, t'as vu? Elle hésite. J'aurais dû en mettre. Du coup, on va attaquer ça. Ça y est, après être resté un quart d'heure, 20 minutes sous la pluie, on a enfin pu monter. Il a failli tomber. On a enfin pu monter pour embarquer, enfin je crois. Ouais, ouais, on n'est pas loin. Ça y est, regardez ça les amis. C'est quoi le nom de cette attraction? Non, je sais pas, le coaster. On regardera après, je ne sais plus. Mais regardez ça. On va essayer de filmer à l'intérieur les amis. A tout de suite pour les aventures. A tout de suite. Parti. Filme la Belgique. Filme. Voilà la Belgique. Sois très embêté. Oh, mieux. Non. Parti. Je vais souffler parce qu'on vient de jouer. Nos impressions sur le ride qu'on vient de faire. Donc l'attraction en bois, donc j'ai toujours oublié le nom, je le mettrai à l'écran. Le temps d'attente fut. Le temps d'attente fut un peu long. Mais sinon le. L'attraction. Pourquoi tu ris? Parce que tu fais rire. Sinon la première descente était excellente, mais le reste. Voilà, ça reste des petits virages fort serrés. Ouais, la première descente était pas mal. La vitesse était quand même. Dans l'ensemble, moi je lui mets un 8 sur 10, moi. Je la valide à 8 sur 10. Je sais pas ce que t'en penses, tu mets quelle note? Moi je lui mets un 7. A tout de suite. I love you. On enchaîne. Plus loin. On enchaîne avec l'attraction. Il écrit là. Je sais pas. Roller skater. Mais pas dans ma bouche. Voilà. On va vous montrer ça tout de suite. T'es prête mon amour? Regardez encore cette petite tête de nanou. Si, si, on la filme. La petite tête de nanou dans la petite descente qui nous attend là. Là, elle est en train de faire une attraction de dinguerie là. Ah ouais, ça va. Oh, c'est le dinguerie là. Ah là, ça va. Ah, je crois que j'ai pu savoir. Oh. Ah. Et c'est doux. Mais si tu souffles, souffle. Ah, je l'ai tombé. Mais non, je te tiens mon poussin. Tu crains rien du tout. Cette attraction mon bébé. C'était bien. Tu trouves que c'était une dinguerie? C'était trop cool? Oui. T'as envie de la refaire? Je sais pas. Bon, on va aller faire autre chose les amis. On se rejoint tout de suite. Après il y a la bleue là-bas, c'est bon. Il y a 4 ans et plus, j'ai regardé. T'as vu? Waouh! T'as vu, c'est beau. Maintenant.
Non, on continue encore et encore sur une fine pluie. Une fine pluie. Le ciel est couvert de nuages. Les portes du donjon. J'ai quand même kiffé, même si c'était super léger, j'ai quand même ça trouvé ça top. Je lui mets un petit 8 sur 10 aussi, c'était rigolo. Toi, tu lui mets quelle note? 6,5 parce que c'est trop court en vrai. 6,5 parce que c'était un peu court, et toi tu lui mets quelle note? 7. 7. Mais donc... c'était pas mal pour les petits, mais c'est vrai que c'est court. Et moi je c'est mets... court. Et moi je mets 100 sur 100. 100 sur 100. Donc voilà, Danou a validé, donc c'est le principal, les amis, c'est qu'elle a kiffé. Méga midi jet ski. Quitte à pas faire du jet ski sur la belle mer au soleil, on fait du jet ski à Plopsaland. Ça va mon chat? Amou, ça va? Qu'est-ce que ça a à voir? Elle a l'impression d'être dans Alerta Malibu alors que ça n'a rien à voir, c'est du jet ski. Qu'est-ce que ça a à voir avec Alerta Malibu? Enfin, c'est le délire de Mamou. Hein. Si tu notes sur combien, maman, le jet ski? Ah, oh, ça j'aime bien le jet ski. Mais... moi je lui mets un 10 parce que c'est cool. Je mets 10 mais c'est dommage que ça reste pas encore plus longtemps tellement que c'est trop. Et c'est dommage que la glissade n'est pas un peu plus... En même temps c'est pour les enfants. Ouais c'est vrai, c'est pour les enfants mais bon voilà quoi. Toi Nanou, tu lui mets combien? Bah t'as pas donné ta note maman. C'est 10. 10. Moi aussi je lui mets un 10. Je mets 100 sur 100. 100 sur 100 encore. Je mets un 10 sur 10, c'est génial. 10 sur 10. On a une petite fin, il y a des petits points de restauration comme ça, des petites baraques, moi j'appelle ça. Avec toutes sortes, il y a des gaufres, des glaces. Des gaufres. Des crêpes. Non, il y a des gaufres. Ah ouais, des gaufres. Au sucre. Des gaufres au sucre. Sinon, question nourriture, bah, c'est de la bouffe de parc, quoi. C'est de la nourriture rapide. C'est du fast food. Il y a du burger, il y a pour tout. Il y a pour les vegans, oui, comme moi. Il y a pour les carnivores, peut-être et sûrement comme vous. Il y a pour tous les goûts. Donc les prix c'est un peu moins cher qu'à Disney, mais c'est toujours exorbitant en vrai. C'est une histoire de 10 balles, hein, quelque chose comme ça. Sinon il y a des menus avec poissons, comme dans chaque parc d'attraction. Quoi. Donc voilà, question ça, les prix je vais dire sont corrects pour un parc d'attraction. Et le goût, on les avait déjà pris donc on n'avait pas repris cette fois-ci, mais c'est plutôt correct. Donc voilà, bisous. Voilà les arcs-en-ciel, la journée est finie, on est hyper fatigué. Bon, ce qui était bien... C'est à cause de la pluie. Ouais, il a plu toute la matinée, enfin je dirais jusqu'à 13-14 heures et après on a commencé à avoir un meilleur temps, donc ça a fait plaisir. Mais que dire? Alors, il y avait quelques belles attractions, mais sinon question organisation avec, zéro. Avec le Covid, là c'est nul, mais de chez nul. Les files étaient hyper longues. C'était mal fait. C'est mal organisé. C'est pas Disney quoi. Mis à part ça, la petite s'est seulement réveillée il y a 30 minutes. C'est tout. Non, il s'est réveillé vers 2h quand il a arrêté de pleuvoir. C'est vrai que la pluie a tout gâché. Ouais, c'est vrai que la pluie c'était bon. Enfin voilà, on a quand même passé une belle journée, je vais dire. Quelques belles sensations. Donc voilà les amis, on se rejoint dans une prochaine vidéo. Bientôt, bisous. Bisous.
Vous faites signe pour dire au revoir.